J'ai mal pour tous ceux qui payent des impôts pour avoir ce type de votation, parce que ça sert à rien. SUV, au fait, je veux vous poser, c'est quoi la définition d'SUV, monsieur Béclard? Demandez-le au constructeur automobile. Non, c'est je pas, vous le demande à vous. C'est pas moi qui utilise le terme. Non, mais je vous demande à vous. Non, mais comment la mairie de Paris le définit? Ah, ça y est, ça commence. Non, mais c'est intéressant. C'est la question du poids. C'est un élément objectif. C'est ça, objectif. Un élément objectif. Ok, c'est pas ça, un SUV. Non, mais excusez-moi, mais c'est pas moi qui regarde. Vous savez même pas ce que ça veut dire. Et avant d'entrer dans le vif du débat, parce qu'on va. On va oui, il fallait savoir. Non, parce qu'il n'y a pas le terme SUV dans la question. Avant d'entrer dans le vif. Monsieur Béliard me dit que dans la question, il n'y a pas le terme SUV. J'ai un problème. Je regarde l'affiche qui a été utilisée par la ville de Paris. Plus ou moins de SUV, et c'est vous juste à côté. C'est vrai, c'est vrai. D'accord. Donc il y a bien SUV. En fait, c'est quoi votre ambition? C'est emmerder les automobilistes au quotidien. Sur des mesures où on en peut plus.